Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Assalamu alaikum, mboko auditeur, mboko internet. Ñi nga xamantene ñu ñuy déglu wala di ñu sétan sa suñu ci internet bi. Tay ñu daalé ñew fi ci poste de santé bu tassinaire, c'est ci ki nga xamantene moy monsieur Saw di chef de poste. Ñuy wara waxtane li nga xamantene nak ñu sétlu fan mi ci biir gox bi lembe na vraiment li nga xamantene moy dëkk bi ñaari xalé yo gis yaangi sétlu mu daadi am ay bouton ci yaram bi depuis quelques mois les 15 derniers jours dañu gis ni ki dafa am ay cas yu bëré ñi nga xamantene moy xalé yu ñuy recevoir donc lolu constat bo buñ ko gisé ñu gis deux fois comme dañuy def li nga xamanteni dañuy def une surveillance épidémiologique modi que ya de ces cas yi nga xamanteni soko gisé dans une zone pendant une semaine mu xawu béré yone dafa wax ni ki da nga wara interroger pour xol événement yoy nga xamanteni xew nañ ci sa gox lan moko sabab lan motax muy law donc bouton yoy yu ñu constater ñu koy tuddé varicelle donc varicelle so xolé la contamination da fay am surtout si xalé yi nga xamantene dañuy nek école parce que so xolé promiscuité bi xalé ni ñuy togondoé ni ñuy jégeyonté ak récréation ni ñuy dugënté donc maladie de la peau le contact peau à peau bi donc da fay indi développement fièvre bi walanté bi da fay tax mu gaaw benen bi moy ñu gis ni ki en dehors des écoles ñu gis ni ki daara aussi ni ñuy togué di jang alcorane jégeyonto bi moy gis ni ki da ngay gis xalé bi tay amuko suba nga gis yaram bi commencé am benn bi gëna suba mu fess del ci bir yaram mu nek lo am solo li nga wax ni waye ndax varicelle bobu mom lañuy wowe ngapati waron nañ ci am ay léral yu baax pour ñu mëna xam réellement li lan la modi ko fièvre la bu nga xamanteni da fay walé néwuñu nak c'est mortel mais da fay walé parce que ça fait partie des maladies de la peau donc maladie de la peau foko dégg contact peau à peau ak nit ñi bokk lal nit ñi bokk jangukaay nit ñi nga xamanteni lu ci ëpp dañuy nekkando en contact donc contamination bi fofu lay commencé lu gëna am solo moy ñu xam ni ki da fay day walé donc fofu lay profito pour wax ak wa corps professoral di wax aussi ak les imams ak les pères de famille qui sont dans les maisons waxuñu xalé bi ñukoy daw mais dañu né bu féké école la xalé bi su amé varicelle bobu non ñuy wax ñu gis bouton yu bëré yoy il est préférable ñu défal ko éviction scolaire modi que bu ñëwé faju amna bulletin bi nga xamantene dañ ko koy jox bulletin bobu ñukoy jox ñun dañuy bind ci souf en observation éviction scolaire jusqu'à guérison clinique éviction scolaire bobu nonu ça permet koku mu baño contaminer yenen moromam non rek nañu mëna def pour mëna couper la chaîne de transmission donc xalé bi mëna baña ñoo jangi mais aussi muy am cours en temps réel ñi nga xamantene janguñu ñi nga xamantene dem nañ defi cours ñu ñëwé mëna ko jox mën nañ ko jox cours yi donc idem aussi pour imamu daaray parce que waxu bëgguñu xalé bi baña dem jàngi mais devant l'impossible ñu né tenu parce que tant que coupé wuñu la chaîne de transmission xalé bi ko am ñu téyé ko fajj ko ba mu tané mu dogo déllu ci école koku dé wër wal kenen donc pour mu mëna joggé fofu dé daal di jafé té processus bi dé gudd té amna fu muy aggu aussi la prise en charge risque d'être coûteux té comme xamnañ ni ki Sénégal nañ nek té dëkk bi neexul donc il est préférable ñu gëna impliqué sur la sensibilisation benen bi moy la prise en charge aussi c'est pas la même chose parce que rougeole bobu il faut c'est une maladie d'abord à déclaration obligatoire donc ça yuñ ko gissé il faut que ñu wo les supérieurs hiérarchiques pour que au moins ñu xamal ni ya des cas de rougeole dans la zone donc cas de rougeole foko dégg rek day am luñuy organiser ce qu'on appelle riposte moy amna quelques cas yu fi nek donc suñu amé 2 cas 3 cas dans une zone de responsabilité on est obligé de vacciner tous les enfants yu nek ci zone de responsabilité bobu y compris l'aire géographique du district donc cas yoyu c'est pas la même chose donc ñu japp rek ni par rapport à ta question varicelle c'est pas une maladie immunisante rougeole moy bi nga xamanteni ben yon nga koy am ci sa jëru dund varicelle mën nga ko am tay tu observes pas les mesures préventives les mesures d'hygiène ça peut revenir ndax biñu sétlo yoon bi nga
xamanteni jël na ko guddi yi ñu tollu ndax bari na torop bo setlu won ne ci juroomi nga xalé nga ko doon setlu tay ji mën nañ ñam yaang koy setlu ci ñaar fukki xalé ndax xalé yoy ndax loolu nonu jarul ngeen organiser ben riposte pour vraiment sensibilisation bi gëna large ba nga xamanteni dinañu muccu ci loolu nga xamanteni moy ñakati voilà organiser riposte bobu dafa am c'est des paliers donc ay paliers la donc la première chose buñ la né mom nga war mëna def moy c'est la sensibilisation pour ngayé professeurs d'abord comme ñom ñoy gëna nek ak xalé yé aussi imam daara yi comme ñom aussi ñoy dañuy nek ak xalé yé aussi les autorités yi nga xamanteni ñoo nek dans la zone de responsabilité ku ci nek bu ko déggé nga jouer ce rôle d'autorité dans ta collectivité et benen bi moy yé les parents yi nga xamanteni ñoy nek ci kër gi na xalé bi su fébaré ñom ñoy jël copar dem yobbu ko dispensaire pour faju donc comme niñ koy waxé rek santé communautaire lañuy def santé communautaire c'est la sensibilisation moy premier volet la sensibilisation nous on veut pas que les gens tombent malades ba ñuy ñëw dispensaire di jënd garab bëgguñu loolu ce qu'on veut moy information yi nga xamanteni mom lañuy joxé ça yuñ ko appliquer rek dinañ gis ni que le nombre de malades va se réduire considérablement ñi mu dal dafa am ay leugëd yo xamantene bayyi nañ ko ci seen yaram ndax leugëd yoyu non dina dañ wala da fay dess ci seen yaram ba légui nekul tay goor muy picc bi wër na rek day leugëd bi da fay dañ c'est progressivement comme maladie de la peau la comme ñu ko wax rek donc duggu na ci biir yaram amna lu mu fa def genn na fajj nañ ko wër na bayyi na fa leugëd mais avec le temps leugëd bi dina dem ba disparaître lu suy gëna am solo moy comme ci xalé yi mom dañu am ben capacité bo xamanteni mag ñi amuñu ko ñi am capacité d'adaptation ba paré am capacité de guérison ba nga xamanteni ñom amuko ñu plus ñuy gëna mag sen système immunitaire di gëna développer plus maintenant ñuy gis leugëd yoy après dinañ ñoo tay kon lan ngay tek ci loxo parents yi nga xamanteni tay sen doom xass nañu fexé ba am fièvre bobu nonu lan nga leen di wax pour ñu gëna maytu wala ñu gëna fagandiko donc gëna fagu bi moy d'abord ñu baña daw xalé bi donc ñu bañ ko daw bañ daw moy diko moytu parce que nit dafa am ben facteur bu gëna am solo bo xamanteni day defal lu gëna yok fièvre moy stress mëno ñoo nga dëkk ak ay nit pendant un bon bout de temps nga am té ben affection ben fièvre bu nga xamanteni tay nga gëna soxla nit ñi jox la bok nit ñi saytu la nit ñi topato la bon ñu gis la ñi lay daw wala ñu ber la nit mën nga ko ber mais il faut le faire d'une manière intelligente quoi deuxième étape bi moy que traitement yi nga xamanteni mom lañ leen jox ñu appliquer ko à la règle ba paré de respecter rendez-vous yi et en troisième lieu ñu éviter les promiscuités yokku ciet gi ci biir kër yi parce que xalé yi ñun ñëpp suñuy doom ñoo non nañu mel ci biir kër gi mën nga leen gérer mais luy xew ci biti lolu benn parent mënu ko gérer fan nañu dem ci biti bu ñu mëna mais bu ñu ñëwé la première des choses bu ñu wara am ñun ko en tant que parent comme attitude moy diw damal sangu ji wala nga jël ko yow nga dem sang ak parce que lolu moy contribuer à ce que ñu wañi vraiment yenn ki benen bu bëggon joxé comme information comme moy à l'endroit du corps professoral donc élèves yi ñu observer rek les évictions scolaires yoy non parce que dafa am ay fièvre yi nga xamanteni nit ki su ko amé tu es obligé maintenant nga protéger ñeneen ñi nga xamanteni ñeneen ñi nga xamanteni fièvre wu ak lolu aussi luma wax nonu pour le corps professoral c'est valable aussi pour les imam daara yi parce que ñom ñep aussi ñoo bokk dénominateur moy ay jangale kat lañ donc lu dal ki rek da fay feñ alors ci terre comme ñom temps bu xalé di pass ak ñom mo gëna bari donc il est important ñom aussi ñu jappalé ñu ci prise en charge benen bu mu bëggone intervenir moy c'est à l'endroit de la population souvent de mais am fi jafé par rapport au problème rang yakarna yagna ko wax jusqu'à présent gay degguñu fu may waxé donc degguñu su may waxé donc c'est le moment idéal quand même ñu tok djéma waxtaan ak population bi parce que man awma ben intérêt rang bi fi il faut que ñukoy organiser ko moy lan modi man ci biir bureau bi lay tok ku jitu ak ku jitu wul man xawmako mais kenn ku ci ñoom ku jitu xam nañ ko mais en dehors de jitu bobu dafa am ñaari aspect yi nga xamantene amna premier aspect bi moy urgence la gestion des urgences c'est à dire que nit bu franchir suñuy porte rek koku donte yow ñew nga 6h du matin mom mu ñew midi mais yow da fa wara wax mom mu dugg parce que yow mën nga tok di xaar ran mais ki
mënul tok di xaar rek donc bobu dañuy mëna war dañuy jël suñu responsabilité jël koku duggal ko bobu muy ben cas benen cas bi moy dafa am ay nit yi nga xamanteni dañuy fejo fi aussi te yoré ay fièvre yu walé dañ fi fejo te yor fièvre yu walé maintenant mënuma wax ki la wala kelé la wala kasse dess la lolu suñu domaine la donc koku suñu ñëwé man xamna ko mom xamna koku suñu ñëwé rek dama koy jël duggal ko damay gis souvent gaay dañuy nek ci biti di casse wala du respect wala parfois même taxaw ci buntu bureau bi pour bëgg di ñëkënti or yow ki ngay ñëkëntel non yow xam nga sa bop mais xamuloko mom xamuloko et ça c'est très dangereux man mon rôle en tant que responsable de cette structure c'est d'essayer d'éliminer wala d'éviter le maximum possible ay cas de contamination yi nga xamanteni ñi ngi xew fi au niveau du poste mais képp ku ñu jël ñu duggal ko rek xeyna am na lutax ñu duggal ko ba may ben benen bi moy mënuma jël nit bi nga xamanteni da fay ñew comme tout le monde yor luy walé tok fu ñepp di tok di noyi fu ñepp di noyi di tufli fu ñepp di tufli ba paré après moi tok don di sétan bu boba aussi en tant que technicien en tant que agent assermenté j'aurais pas joué mon rôle donc lolu ben cri de cœur rek buma bëggon def à l'endroit de la population ñu djégal ma nak vraiment ci cadre yi parce que c'était important pour moi pour ma jallalé information yoy non comme ni ko sax waxé légui dañuy yor ay fièvre yo xamné da fay walé té comme dañu yor ay fièvre yu walé mom mënu ko taxaw wax ci kaw ni ki kat da fa yor fièvre bu walé nan ko may waye sañ na fekk ko ci buntu bi ci rang bi ne ko duggusil bu ko duggusilé pour éviter contamination bi gëna law ci askan bi pour ñu mëna ko comprendre yu mel nonu waye da fa am bénn côté bo xamantani sa da nga fi ñew nga ko fi fekk muy ay ño xamantene dañuy am ay play yo xamne dañ koy bayyi ba mu nekk ci benn stade bo xamantene yow bo ñëwé xol ko rek sa yaram da fay daw ñun dañuy sétu ci sétu mais ci bir santé del sétu ci sa yaram lepp lo gis mu génn ci biti xeyna am lu tax lu nekk ci bir lu tax mu génn da ngay am fièvre bu nga xamantene 1000 francs lay jar nga tiyé ko bu mat 100000 francs Te non seulement ya ko tiyé ba mat 100000 francs mais so ñëw ñu bind la 100000 francs tu es là à râler or ya ko yobbu fofu parce que amna fu mbir di tollu da ngay xol sa akhulay taala dama du côté bobu aussi may gëna sensibiliser population bi rek bind ordonnance dafa jafé nit ñëw pour nga fajj ko dafa jafé c'est toute une responsabilité parfois il t'arrive en tant que prescripteur da ngay teud bindal nañu tay absa jaay ñoo na febar na bindal na ko garab mais suba man ma gëna yakamti gis absa pour xol effectivement est ce que traitement buma joxe est ce que am na réponse wala amul réponse man ma ko gëna yakamti gis parfois problème yoy nañi dañ koy jankontel fi le fait que nak ñuy tié pansement yi bari nañu trop le pourquoi pansement yi bari je ne sais pas heureusement que ma érigé sal balé en châle de pansement heureusement mais fi mom du won soti fi mom du won soti pansement yi beuri nañ trop mais lu ci gëna am solo rek du beuri way bi mo am solo mais lu ci gëna am solo moy téla dem téla dem plaît bo monté gis mo am ouverture xalatal tétanos en premier lieu nous vivons avec le clostridium tétanique te ci souf ci lay dund da ngay gis ko gaay ñu sax ci mbedd bi jël souf tay ñun ñi ñepp dund nañ mais bo on courait un grand risque un grand risque mais tétanos c'est pas une maladie anodine lolu mom il faut que ñu xam ko c'est pas une maladie anodine donc il faudrait que nit ñi di ci baye xel ñu mëna ñu ci dimbalé aussi gaañ télal dem dispensaire ñu wax lolu la wara wax wala defal lolu la wara defal di wax rek ne ñu ngi remercier vraiment le poste de santé bi ci collaboration bi nga xamantene def nañ ko ak ONG Rafataay ak li nga xamantene moy projet de santé bi nga xamantene dañ ko def ci biir askan bi pour accompagner leen ci seen walu wér gu yaram waaye fexe ba nga xamantene bu feebar wala yenn jàngoro yi doon fàtt wala doon gàllankoor yenn benn xaali population bi forme information yu juste ak réel yi nga xamantene ñu ngi koy indi fexe ba yooyu problème daal di wàññeeku ci seen walu wér gu yaram. Iwaay wér gu yaram ne leen wér wér leen. Iwaay wér gu yaram. Way wer werle changay tale paye ku
Bonjour, comment